Depuis quelques semaines, les prix de certaines denrées alimentaires, comme le riz et le haricot, ont baissé. Au marché d'Ikotebou, le kilo de riz qui était à 4000 francs est aujourd'hui entre 3100 et 3500 francs bouts. Le prix du kilo de haricot varie entre 2800 et 3500 francs bouts, alors qu'il était à 3800, voire même 4500 francs le kilo. Pour les clients, c'est un ouf de soulagement. Que des stratégies soient prises pour que ces prix restent stables, souhaite-t-il. Le kilo était à 4000, c'est vraiment soulageant de trouver un kilo de riz à 3000 jusqu'à même 2800. C'est la même chose pour le haricot. Que la situation reste ainsi, car c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons une grande clientèle, contrairement à la période où toutes les denrées étaient chères. Notre souhait est que les prix restent ainsi pour que nous puissions écouler nos produits. Malgré cette baisse des prix du riz et du haricot, les consommateurs confient que les prix des autres denrées, comme le maïs et le blé, restent élevés.